Mon peuple, priez contre cette peste appelée coronavirus. 19 février 2020. Parole de Dieu le Père, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine. Louise avait eu une légère sensation d'impulsion d'esprit ce matin-là, mais elle était très occupée. Elle a finalement reçu ce message du Seigneur en plein déplacement à exactement 5h55. Loïs, je voulais te dire ceci ce matin, mais je vais te le dire maintenant car il est vital que mon peuple l'entende. Ce virus cherche à se répandre et à en tourmenter un grand nombre. Mais vous, mes amours, vous devez prendre position et combattre fermement contre ça, car c'est une attaque de l'ennemi. C'est l'homme qui l'a créé. Et cela a été déguisé, camouflé. Mais l'homme méchant a créé cela pour empêcher la race humaine de se multiplier trop rapidement. Lorsque l'homme intervient pour prendre le contrôle de la création, cela devient un problème. Le jugement est venu sur ceux qui ont tourné ce virus en dérision. Et la mort est venue sur eux, tout comme ce fut le cas avec Pharaon et son fils. Priez sans cesse contre cela, car ça va se répandre et il faut s'en occuper. Utilisez votre autorité contre cette peste pour stopper sa progression. Repoussez-la au nom de Yahushua, Jésus. Sorti de la bouche du mal, ça sera retourné contre lui. Ses propres démons qui contrôlent l'humanité devront quitter les lieux lorsque ces gens mourront de cette infection virale qu'ils ont créée. Il est l'heure de s'élever et de résister fermement aux assauts en combattant le bon combat de la foi. Le mal a amené ce jugement sur le pays, dans sa quête de destruction de l'humanité. Laisse aller mon peuple. Prenez l'or et l'argent avec vous. Je vous ai dit la vérité. Cette porte a été ouverte et la prière y mettra un terme. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux.